écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 21 avril, signature hier d'un accord entre le Haut Commissariat à la numérisation et le groupe Huawei Consortium. Il marque le point de départ du projet de réalisation du centre de données national Data Center pour les services numériques. La présidentielle anticipée du 7 septembre prochain anime déjà la scène politique. Le Parti des travailleurs annonce sa participation. Le Front Mustaqbel appelle à une action politique commune. Lors des prochaines élections, le RND pour une démarche débouchant sur une coalition et un consensus. Le mouvement Nahda appelle à faire réussir la présidentielle. Et cette énième provocation du Marzen avec en plein le football, l'équipe marocaine de Berkane qui doit affronter ce dimanche l'USMA d'Alger en match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF, s'est présentée avec un maillot à l'effigie de la carte du Maroc annexant les territoires sahraouis occupés. L'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien qui se poursuit, le camp de réfugiés de Nour al-Shams à Tolkaram, théâtre d'atrocités, des bombardements intenses sur plusieurs régions de la bande de Gaza, une nouvelle aide de 30 milliards de dollars accordée par les États-Unis à l'entité sioniste. Et puis en sport, Coupe du monde de gymnastique de Doha au Qatar, l'Algérien Kayla Neymour sacré au sol. Par ailleurs, en boxe, la boxeuse Yem Khalifa décroche la médaille d'or à l'Open américain de boxe. L'instruction avait été donnée par le président de la République. Il marque le point de départ fixé du projet de réalisation du centre de données national Data Centers pour les services numériques. Avec la signature hier d'un accord entre le Haut Commissariat, la numérisation et le groupe Huawei Consortium, un grand pas franchi pour l'amélioration de la transparence et l'efficacité des services en rapport avec le développement de la gouvernance électronique dans le pays. Samir Al-Luna. Lancement simultané de plusieurs étapes liées à ce projet, la réalisation d'un centre de données national pour les services numériques, une infrastructure IT propice à la transition digitale du pays, ainsi qu'à la modernisation du service public et à l'amélioration des prestations de services proposées aux citoyens. Merim Ben Mouloud, haut-commissaire à la numérisation. Cet événement marque le point de départ d'un parcours étudié pour s'adapter aux évolutions technologiques dans le monde à travers des actions qui concrétise les orientations données par le président de la République afin d'arriver à instaurer la gouvernance électronique. Le projet de réalisation du Centre de données national pour les services numériques est le premier du genre dans notre pays. Nous allons impliquer des acteurs experts du numérique ainsi que des partenaires économiques pour encourager l'échange de compétences à travers ce projet. Une coopération qui vise à améliorer le transfert de savoir-faire en termes de maîtrise des nouvelles technologies, des compétences nécessaires pour le bon fonctionnement des services publics numérisés à 100%. Lin Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. Ce projet est très important, stratégiquement important. Notre entreprise Huawei et aussi tous les acteurs chinois, on va aborder notre contribution pour ce processus à travers le transfert de technologies, de savoir-faire, mais aussi à travers une formation continue pour les jeunes ingénieurs, pour les jeunes étudiants qui travaillent ici. Un premier data center national verra le jour dans la commune d'El Mohammedia à Alger et proposera pas moins de 14 services publics. Le deuxième sera installé à Blida et proposera 26 services publics, des services en ligne numérisés pour mieux répondre aux attentes et exigences des citoyens. Un sujet signé, Samir Al-Luna. La présidentielle anticipée du 7 septembre prochain anime déjà la scène politique. Tout à fait, le Parti des travailleurs sera de la partie. Une participation décidée par le comité central du parti annoncée hier par la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoun. Le président du Front, Al-Mustaqbel, Fatah Boutbir, a appelé hier depuis Constantine à resserrer les rangs, renforcer le Front intérieur et à s'engager dans la mobilisation nationale pour réussir par une action politique commune les prochaines élections et relever les défis à venir. Le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique pour, quant à lui, Mostafa Yahya, a affirmé depuis Oran que le parti est prêt à examiner toute démarche débouchant sur une coalition ou un consensus en relation avec les prochaines élections présidentielles. Par ailleurs, le mouvement Nahda a appelé la classe politique et l'ensemble du peuple algérien à faire réussir la présidentielle du 7 septembre prochain afin de préserver la souveraineté de l'État et la stabilité des institutions et maintenir par ricochet le développement durable. Et justement, Walid Selman, une forte participation citoyenne, mobilisation de la classe politique, principaux enjeux de la prochaine élection présidentielle du 7 septembre. D'ailleurs, prochain. Le contexte est particulier, crucial même, les Algériens sont appelés à voter. Il s'agit de renforcer les acquis réalisés. Djawida Azzouk.
La scène politique s'emballe et s'emballera certainement davantage dans les semaines à venir en prévision de l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain. S'agissant du timing, le contexte est particulier. Les enjeux de cette importante élection se situent à plusieurs niveaux, explique Arslan Chekhaoui, expert en géopolitique. Il est clair que des élections en septembre, donc à la rentrée sociale, permettraient d'avoir un climat serein pour avoir un taux de participation acceptable et surtout le temps de former un gouvernement et de présenter le plan d'action aux deux chambres parlementaires pour enfin adopter la loi de finances 2025. Et c'est celle-ci qui est le pilier de toute l'action gouvernementale. Qu'en pensent les partis politiques justement qui s'apprêtent à se jeter dans l'arène électorale? Pour Zohair Louis, vice-président du parti Jil El Jadid, l'enjeu à travers ce scrutin présidentiel est d'arriver à une acceptation de ce qui est stratégique pour le pays afin de garantir sa stabilité. À l'évidence, le principal enjeu de cette prochaine élection présidentielle réside dans notre compréhension et acceptation de ce qui est stratégique et utile pour assurer notre sécurité, notre stabilité. Et cela concerne et le mode de gouvernance à instaurer et les réformes de fond à engager pour mettre le pays de manière franche et déterminée sur la voie de la construction d'un état de droit. En tout cas, au niveau de certains états-majors, l'on se mobilise déjà pour des débats internes ou des concertations pour trancher sur la forme de leur participation à cette élection, si du moins certains arrivent à franchir l'étape ardue de collecte des signatures. 8h06 sur Radio Chaîne 3, l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien qui se poursuit. Avec plusieurs Palestiniens qui sont tombés en martyr cette nuit à la suite de bombardements aériens de l'armée d'occupation sioniste contre des camps de réfugiés dans la bande de Gaza, notamment à Rafah et Khan Younes ce week-end, qui a été marqué par les massacres perpétrés au camp de réfugiés de Nour el-Shams à Tul Karam, au nord de la Cisjordanie. 14 Palestiniens sont tombés en martyr. Une entreprise génocidaire et un soutien américain indéfectible, le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abu Rodaina a dénoncé hier soir le soutien américain à l'entité sioniste à travers l'approbation par le Congrès américain d'une aide de près de 30 milliards de dollars à cet état terroriste, je cite, la qualifiant d'agression contre le peuple palestinien. Par ailleurs, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Abraïta, a salué le rôle de chef de file de l'Algérie au Conseil de sécurité en faveur de l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU, qualifiant le vote de 12 pays jeudi dernier en faveur du projet de résolution présenté par l'Algérie de grande victoire pour la cause palestinienne. Un État, justement, qui a opté pour la normalisation, Walid Selman, avec l'entité sioniste. Le Maroc, la communauté internationale, d'ailleurs, appelle à l'élargissement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, à Minurso. C'est ce qu'ont réitéré des participants à la 5e session du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, tenu cette semaine à Alger face aux exactions marocaines dans les territoires sahraouis occupés. Le mandat de la Minurso devrait inclure la protection des droits de l'homme, la cessation immédiate du pillage systématique des ressources naturelle du Sahara occidental. Je vous propose la lecture de Claude Mangin, militante française des droits de l'homme. Elle en parle à Karim Hasnaoui. Au moment où les rapports annuels arrivent devant le Conseil de sécurité pour la question de la décolonisation du Sahara occidental, eh bien, on peut remarquer que le Maroc n'a pas changé ses méthodes et même au contraire se sert de sa position pour faire avancer son propre agenda politique et non pas l'agenda de l'ONU. Par exemple, ils ont emmené 14 ambassadeurs visiter la ville de Darla comme s'ils étaient chez eux. Et on peut remarquer que la libération des prisonniers politiques sahraouis n'est pas à l'ordre du jour, alors qu'en fait, elle a été demandée par l'avis du groupe de travail sur les détentions arbitraires, et que la torture continue d'être appliquée et pour les Sahraouis et pour les Marocains dans les prisons, mais aussi au Sahara occidental, qui est une vraie prison à ciel ouvert, où aucun étranger ne peut entrer pour venir témoigner de ce qu'il se passe. Et une énième fois Walid Selman, une énième provocation du Marzen qui instrumentalise le sport. Avec en premier, vous le disiez, le football équipe marocaine de Berkane qui doit affronter ce dimanche l'USMA d'Alger en match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF, s'est présenté avec un maillot à l'effigie de la carte du Maroc annexant les territoires sahraouis occupés. Ahmed Fatahi.
une énième provocation du Mersenne. Et pourtant, l'histoire avait bien commencé. Les autorités algériennes qui avaient autorisé l'équipe marocaine à rallier Alger à partir de Berkane dans un vol spécial. Et pourtant, vous le savez, le territoire algérien, le ciel algérien est fermé au vol marocain. Les autorités algériennes ont fait preuve de bonne foi. Mais à leur arrivée, la délégation marocaine avait dans ses bagages un maillot avec une carte qui y figure et qui annexe les territoires occupés sahraouis. Tout cela est interdit par la réglementation. Le commissaire au match, qui est d'origine tunisienne, a tout d'abord interdit l'utilisation de ces maillots. Mais voilà que hier, 5 minutes avant la réunion technique, une correspondance de la Confédération africaine de football, dont les membres étaient réunis au Maroc, ont pris une décision qui va à l'encontre des règlements internationaux. Je vous propose d'écouter Eddy Hamel, ex-conseiller de l'ex-président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, mais également ex-membre de plusieurs commissions à la Fédération internationale de football dans la commission média. La CAF ne peut pas leur donner, ne doit pas leur donner. Il faut respecter strictement la réglementation en la matière. Ce n'est pas à la CAF aujourd'hui, c'est plutôt le commissaire de match qui doit interdire le port de ces maillots qui sont porteurs d'un message politique. Or, les messages politiques, ethniques ou religieux sont complètement proscrits dans la réglementation et les statuts, non pas seulement de la CAF, c'est une réglementation de la FIFA, valable pour la terre entière et pour les 40 millions de matchs qui se déroulent dans le monde, il y a lieu de respecter cette disposition. Le président de Berkane est un homme influent à la CAF. Malheureusement, comme la CAF est gravement affaiblie, eh bien, il fait un peu ce qu'il veut, il est en même temps président de la commission des finances, il est vice-président, il est membre du conseil de la FIFA et accessoirement il est président de Berkane. Il est déjà l'auteur de plusieurs provocations et là il s'agit de la prendre en tant que telle et de la rejeter. C'est une provocation inadmissible et inacceptable. Voilà, le match est prévu ce soir à 20h. Si l'équipe de Berkane s'entête à jouer avec ses maillots, le match n'aura pas lieu. Et si la CAF essaye de sanctionner l'USM Alger prendra toutes ses dispositions et ira jusqu'au tribunal arbitral du sport ou encore à la FIFA. Et pour terminer, Coupe du monde de gymnastique de Doha au Qatar, Kayla Neymour a sacré au sol. Elle a décroché hier une nouvelle médaille d'or après celle obtenue, je vous le rappelle, en barre asymétrique. Et puis en boxe, la boxeuse Makhlif a décroché hier la médaille d'or. C'était à l'Open américain de boxe. Rappelons enfin qu'Alger se prépare à abriter un grand événement, la première édition du festival Les Sports prévu jeudi prochain et qui s'étalera sur 3 jours. 5 sites dans la ville d'Alger ont été réquisitionnés pour cet événement. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.